Occitano est la hiérarchie graphique où se parle la langue occitane. S'expandit de l'aire aux Pyrénées, de las Llanos aux Alpes. Depuis des milliers d'années, les peuples différents qui se sont établis ont mené chacun sa langue et sa culture propre. Se sont mélangés aux acquisits antérieurs. Al commencement, peuplado pels Celtes, son identité se fargo amb la vinguda des Rumas. Unifico aquella hiral que son provincio narbonese. Pour saber se mesclo amb la sculpture de sa présente sur aquel territori. Mas es la vinguda des Visigoths, al segle V, que dessenyarà son espaci. Fundo un reialme que s'expandis de l'aire a Gibraltar et de Rose à l'océan. Toulouse n'est la capitale. Al segle següent, los francs conquistent aquella hiral, mas se'n desinteressaran l'eu, i butu de seigneurs des païs que aprofecho una certa independència. L'eu naix un de ducats e de comtats. Lur cultura es enriquecida per besinats de la civilització arabo-andaluso al sud des Pirineus. Lo ducat d'Aquitanya, los comtats de Toulouse, de Barcelona e de Provenza sont tenguts per las famílies mai poderosos d'aquel reialme et mai représentative de l'histoire occitane. Al segle XI, la langue romanique naît à partir de las langues présentes sur le territoire, et l'autzol de l'Occitane de Huey. Aquella langue est un ligame entre toutes les seigneuries de l'Atlantique al Piamo Italia et de l'Aire al sud des Pyrénées. Se développe la grande culture des troubadours, en parage et fin amour, qui laude la tolérance et l'amour. La civilisation occitane naissant fargo son identité. De libertats se desvolupen, drets de las fennes, libertat de culte et libertat de pensada. En 1189, de mouvements socials valent de poders al poble amb las libertats comunales. 600 ans abans Paris, Toulouse fa sa révolution. Le comte de Toulouse reconeix las prerogatives des capítols. Aquelles libertats permettent l'expandiment d'hérésie comme le catharisme. En 1208, le pape Innocent III fa la credo per organiser une cruzada al dintre de la cristiantat. Ramuso los barons d'Ilo de France. En 1209, une armada de cruzats dintre dins los païses d'oc e fa tombar primer Béziers, puis Carcassonne. Gascunyo, Languedoc, Provenza, Lemusi, Auvergne eran a l'edat mezzana de comtats o de ducats poderoses tant como d'estats. Le comte Raimond VI de Toulouse era un des princes occitans mai influents. Duc de Narbono e marquis de Provenza ten cap amb sus vassals as cruzats. Fracò, 30 ans après, Raimond VII, le fil, est forçat de reconnaître le seigneurat del rei de France. En 1271, le comtat de Toulouse est restaccat à la couronne de France, amb Languedoc et Périgord. Seguis une annexion progressive de toutes les autres territoires occitans. Al segle XIV, Lemusi est restaccat à Reialme, puis al miez del segle XV, sont les territoires atzenès, Bordeaux, puis Gascogne. Seguiran en 1481, Provenza, Comminges, Rouergue, Foix et Armagnac. Le reialme de France commence de rebertà l'Hexagone de Huey. Pracò, la diversité linguistique entrava l'unification nationale d'aquel territori. Et, en 1539, François Ier impose le français comme seule langue administrative del reialme. Es l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Al segle XVII, c'est la fille de l'autonomie de Billard, de Bigorre et de Navarre qui devront d'arrêt-là parler et écrire en français. Les usages de Paris s'imposent à l'encontre de la culture occitane. Pracò, la langue d'oc demeure la langue parlée dans ses formes dialectales dans tous les territoires occitans du sud de l'Aire. Après la révolution française, tourne découpée la map de France. Des territoires nouveaux sont créés, les départements, qui ne sont pas de réalité historique. À Paris, l'abbat Grégory et les Jacobis développent un État nationaliste centralisé sans cap de reconnaissance de las identités culturales et linguistiques. Al siècle XIX, à la demande de Jules Ferry, Jules Michelet écrit une histoire de France nationaliste. La réalité historique du territoire occitan est dénégée. Les grandes lignes de 12000 ans d'histoire hexagonale, couflo de fabulations, sont tracées. A tal se convencerà los occitans qu'han pas de culture propria e que la lengua che parlo es pas qu'un patuès. Pracò, la lengua occitana sobreviu. En 1911, Sansa Aurès ne prepausa l'insegnament generalitzat e insistís sur l'interès educatiu del bilinguisme francès occità. Ne demorarà pas més interdit de parlar patuès a l'escola. Le terme de patuès es l'appellació desvalorizzante e mesprezzante tant de l'occità come del bretù, de l'alsacien, del basque, del corse o del català.
Atal, l'utsitais de mes amis parla d'inas bilos et parla tsuineso. Parla utsitais ligat per force utsitas à un sentiment de vergogna. Face à quelle situation, d'intellectuals se mobilisent, publico du braces sur la culture utsitano, fondo l'IEO en 1945, et des partis politiques. En 1979, la première calendrette du Brice à Pau, l'utsita esaro enseignat. Lui, les limites d'Occitanie ne correspondent pas à cap de frontière et sont basées sur sous critères linguistiques et culturels. Les grands dialectes de l'Occita sont le gascou, le lémousi, l'aubergnat, le lingodoussia, le provençal, le bibarou alpin, et tabé l'Occita de las balades d'Italia et l'aranès en Val d'Aran. Dempei quelques années, des calendretos, des scolos bilingues, des culetsis, des lycéus, des universitats enseignent l'Occita ou en Occita. Mais l'État français l'unganietzo per balia un statut officiel à las lingues de son territoire. Le nombre de locutus recensat era de 10 millions en 1920, serio à l'urodaro alentour de 12 millions.